dit de réaliser mes rêves. Peut-être qu'on dit la même chose à tous les enfants. Fais des pompes. Je suis trop fatigué. T'es le meilleur joueur de basket de toute la région. Tu crois que les haters vont t'épargner, peut-être? Trop fatigué. Mon fils a besoin d'un coach comme vous. Il va faire passer votre équipe du statut de doué à... Oh mon Dieu! Qui j'entraîne pas les lycéens. Tous les gamins ont 14 ans au moins. Jace a justement eu 14 ans hier. C'est dans ce genre de programme de basket que démarrent les plus grands. Ce sont des futurs stars de la NBA. Il n'est pas question que j'échoue. Pas vrai, coach? En fait, je suis inquiet de pas réussir à avoir tout ce que je veux. Je suis descendu dans le classement du DMV. Je suis quatrième. T'as qu'à défendre sur le terrain. Tu dois aller récupérer ta couronne. Coach, on n'a pas le droit de perdre ce match. Ni vous, ni moi. Ton programme est un peine viable financièrement. Ça va faire comme d'hab et que tu vas finir par merder. Mon père me disait toujours que je devais d'abord apprendre à perdre avant de savoir ce que ça faisait de gagner. Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est un des meilleurs élèves du collège de Sid Pleasant. Ce que tu ressens en ce moment, ce feu intérieur, utilise-le. Utilise-le à l'entraînement. À ton prochain match. Pour faire le tournoi national, on va devoir gagner le tournoi d'automne. Terminer les défaites. Plus t'attendras pour te faire pardonner tes fautes. Plus ça deviendra difficile. Ouais, parfois il y a des choses dans la vie qui semblent plus importantes que le basket. Vous êtes plus mes coéquipiers, vous êtes mes frères. On le sait. On va attendre de vous que vous preniez position. Mais le principal, c'est que des coéquipiers, ça se soutient. Victoire ou défaite, tu entres sur le terrain avec assurance. Tu sors du terrain avec assurance.